semaine, j'ai décidé de vous proposer une technique facile que je fais tout le temps en gaufrage de résistance, mais avec une petite twist, si on peut dire. Dans le fond, c'est une variante qui ressemble beaucoup à la technique de faux batik qu'on voit parfois. Peut-être qu'on la voit moins aujourd'hui, mais quand j'ai commencé il y a 10 ans, on se roulait par terre pour cette technique-là. Moi, je l'ai simplifiée. Alors, je trouvais tellement que le papier était beau que j'ai décidé de ne pas mettre de vœux. Même ici, la petite cordelette épaisse, dans le fond, c'est pas de la ficelle à rôtir. J'ai vraiment pris celle qui est un petit peu plus épaisse parce que je trouvais que ça fait quand même un look un peu brut, le papier comme ça. Donc, je trouvais que ça complétait bien. Vous pourriez mettre un mini vœu avec une toute petite étiquette ici si vous voulez absolument. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rajouter une pièce à l'intérieur avec le vœu. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est prendre ma perforatrice ici. Alors, vous allez avoir ça dans les notes en bas, d'où est-ce que ça vient, comment ça s'appelle, etc. Donc, j'ai répété sur l'enveloppe. La différence ici, vous allez voir que sur l'enveloppe, le papier est beaucoup plus lisse et à l'intérieur aussi. Dans le fond, peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais quand on compare ici, j'ai froissé le papier, j'ai vraiment brisé les fibres. Donc, j'ai décidé de le faire devant vous. Et là, comme on voit, ici, j'ai pris vraiment une demi-feuille, donc sur le sens de la hauteur, c'est 4 pouces par 11. Donc, regardez, ici, je vais chercher pour le devant de ma carte. Ici, peut-être l'intérieur. Et puis, pour mon enveloppe, bien, il va me rester une toute petite retaille que je pourrais peut-être utiliser à d'autres choses. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais passer, comme je fais du gaufrage, mon embossing body et je m'arrange pour qu'il y ait un petit peu de poudre qui sorte pour être sûr que c'est bien protégé. C'est ce qui empêche la poudre d'adhérer un peu partout où je ne veux pas. Alors, j'ai choisi la très belle étampe d'arrière-plan Definitely Dahlia que je n'avais pas utilisée encore et finalement, j'aime beaucoup. Ça fait une belle texture. Regardez, il y a des zones qui sont plus gaufrées et d'autres moins. Et ça, je trouve ça beau parce que ça permet à l'encre d'aller s'accrocher et aller vraiment faire comme une impression presque d'un tissu. Donc, j'encre avec le Versamark. Et là, comme je ne fais pas seulement le devant de la carte, ben, je vais remplir au complet. Et il faut presser assez fort là, avec les blocs en bois. Là, on a l'impression que je vais m'arracher la main. Quand on regarde la couleur de mes doigts. Mais non, en fait, c'est pas si pire que ça, là. C'est sûr que je laisse un petit peu de zone blanche entre tout ça pour permettre de voir plus de couleurs. Mais bon, ici, ça sera à votre goût de voir comment vous décidez, dans le fond, de charger plus ou moins. Alors ici, j'ai été avec la poudre à gaufrer transparente. Vous pourriez prendre la blanche, mais comme le fond de la carte, la base est déjà blanche, pardon, pourquoi être obligé d'aller rajouter du blanc? On va garder le fond avec la poudre. Et si vous avez le même réflexe que moi de presser un peu trop fort, ça fait des petites lignes contour. Des fois, on veut les enlever avant que la poudre s'agrippe et fonde. Vous allez remarquer que je propose souvent, même vous devez être un peu tanné, celles qui n'aiment pas ça. Quoique ça m'étonnerait qu'on n'aime pas le gaufrage de résistance, mais j'en mets un peu partout. Et celles qui sont habituées à mes cours en ligne, j'ai des cours entièrement dédiés à partir de variantes de cette technique-là, tellement je l'aime. Donc, on va aller chauffer ça. Je vais accélérer un petit peu le processus. Voilà, alors c'était un peu long parce qu'il y a quand même pas mal de gaufrage. Je veux préciser par rapport au type de papier que vous allez choisir. Pour ça, pour avoir vraiment un effet de tissu, c'est quasiment comme du coton vraiment doux. Je vous recommande vraiment de prendre le carton Murmure Blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, à comparer au papier d'aquarelle ou au papier
blanc miroitant qui sont faits un petit peu pour accueillir plus d'eau. Celui-là n'est pas fait pour accueillir beaucoup d'eau et on va aller lui en donner. C'est ce qui va nous aider après ça à briser les fibres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait mât en contraste avec le lustré. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter de papier spécial. C'est pas mal celui que tout le monde a. C'est mon préféré. Donc, le papier murmure blanc régulier. Pas nécessairement, je ne prendrais pas le plus épais pour cette technique-là. Donc, maintenant, c'est gaufré. Vous pourriez faire une page 8,5 par 11 d'un coup, une page 12-12. C'est sûr que c'est plus lent gaufré, mais après ça, une fois que vous allez voir, c'est très rapide après. Donc, ça pourrait vous donner une multitude de cartes ou d'autres projets à confectionner ce beau papier-là. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai choisi les Spritzers de Stampin' Up! Avec l'encre fruit des bois et l'autre, c'est Pointe Pacifique. Donc là, écoutez, je me fais tout le temps écrire combien t'as mis de gouttes. Mais écoutez, ça dépend vraiment de la grosseur de votre spritzer. Ceux de Stampin' Up! Sont assez grands, donc je mettrais peut-être 6 ou 7 gouttes. Je mets de l'eau et puis je fais des tests tout simplement. Donc ici, c'est pas très concentré quand même ce que j'ai fait, mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le fruit des bois. Et faut savoir que plus on en met sur le gaufrage, plus ça va ressortir après. Donc si on compare ici, j'en ai mis beaucoup plus que ici, disons, ça sort un peu moins. Regardez ici, j'en ai vraiment mis beaucoup au centre et là ça pop encore plus. Alors c'est à votre choix, vous pouvez pas vous tromper. Donc là je commence avec le fruit des bois, puis même je viens en rajouter comme pour saturer mon papier. Et ensuite je vais rajouter du bleu. Et pourquoi j'ai choisi ces deux couleurs là, c'est parce que ces deux couleurs, que si on les mélange ensemble, elles vont bien s'harmoniser, ça va tourner au violet. Et là je manque d'encre, fallait que ça m'arrive pendant ma vidéo. Dans le fond, ce que je fais dans ce temps-là, il m'en manque pas tant que ça, puis là, elle va avoir le temps de rentrer dans le papier, le temps que je la trouve. Donc, je la trouve pas exactement, là, j'ai pris une recharge turquoise tentation. C'est pas vraiment grave, on reste dans les bleus, là. J'avais pas prévu le coup. En fait, je pensais que j'en aurais assez, et là, je remplis avec mon vaporisateur à côté. Et là, ça rentre, vous avez vu? Ça rentre déjà dedans. Alors, il manque de bleu, c'est certain. C'est juste que là, ça va se mélanger peut-être un peu moins vu que l'autre était déjà en train de sécher. Donc, j'ai vraiment saturé. Et puis, je vais peut-être remettre une petite touche. Yes, c'est très beau. Donc, la prochaine étape, c'est de prendre un papier essuie-tout ou un papier mouchoir. Moi, je laisse rentrer comme il faut avant d'aller jouer dedans. Et là, je ne vais pas aller essuyer en faisant des cercles parce que ça va tout traîner l'encre sur mes parties qui ne sont pas gaufrées. Donc, je vais simplement tamponner comme ça. S'il y a des zones que j'ai plus de fruits des bois et que je m'en vais dans le bleu, bien, je vais tourner tout simplement comme ça. Et là, pendant que c'est frais fait, les fibres de mon carton sont déjà très molles parce que, voyez-vous, c'est un papier qui n'est justement pas fait pour accueillir beaucoup d'eau, donc il ramollit et on peut facilement briser les fibres en faisant une belle petite boule. Et ça se peut que ça déchire parce que, dans le fond, les fibres sont déjà très mouillées. Et par rapport au gaufrage, quand on met en petite boule, le gaufrage est plus rigide, donc il y a certaines parties qui peuvent se faire transpercer. Alors là, on va ouvrir doucement. Très doucement, parce que oui, c'est presque comme du papier mouchoir mouillé. Donc, on peut vraiment... quand je vous disais que c'était une variante de la technique de batik, c'est que... si je me souviens bien, avant, quand on faisait ça, on mettait deux feuilles de papier, une en dessous et une en dessus, et on passait le fer à repasser en espérant que le gaufrage allait se décoller et rester sur l'autre papier. Je me souviens de l'avoir essayé, mais écoutez, ça fait 10 ans, je me souviens plus exactement ce que ça avait donné. Mais moi, vu que j'aime beaucoup le contraste entre le très mât qui fait tissu et le brillant du gaufrage, et parce que je déteste repasser, je laisse ça comme ça. Donc, quand c'est à notre goût, on laisse comme ça et on va aller accélérer le séchage.
comme on voit ici, j'ai été beaucoup plus fort sur le fruit des bois que sur le bleu. C'est encore un peu humide, mais je pense que je vais y aller comme ça pour les besoins de la vidéo. Donc, base de cartes murmure blanc. Et puis, on va aller couper ça. Donc, je vais couper à 5 écarts. Et là, ça se coupe moins bien parce que ça a été froissé. OK? Donc, vos bords sont croches. Vous allez devoir jouer un peu avec. Voyez-vous? Ce que vous pourriez faire, ce serait de peut-être avant de faire la technique, vous coupez vos 3 ou 4 pièces et là, vaporiser dessus et froisser chacune. OK? C'est quelque chose qui pourrait aider. On le voit très bien, j'ai coupé droit avec mon massicot, mais il y a des endroits que ça sort croche, mais ça fait partie de la beauté de la chose, si on peut dire. Donc, j'essaie de recouper le plus droit possible. Autre chose, moi, j'ai un massicot, donc je n'ai pas le coupe-papier. Ça ne coupera pas bien avec le coupe-papier parce que c'est fragile, c'est froissé et c'est un peu tout croche. Donc, allez-y avec un exacto ou, comme je disais, vous coupez avant vos 3-4 pièces. Donc, ça va vous sauver. Et puis, ce que j'allais dire, oui, c'est que j'ai collé ça avec, ici, notre bande, la bande adhésive, parce que je trouve que ça fait un plus beau travail. C'est comme plus facile d'aller coller avec cette bande-là, vu qu'elle est très résistante et que c'est de la colle comme sèche, si on peut dire, hein? Elle est comme en ruban. Donc, ça va mieux que mettre une colle liquide par-dessus tout ça. C'est sûr, quand on va enlever la pellicule, elle est un petit peu plus difficile que d'habitude à enlever, justement parce qu'elle est comme posée sur quelque chose, une surface qui est plus raboteuse. Et là, ça va pas super bien parce que ma surface est un peu mouillée. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Attendez que ça soit sec. Séchez plus longtemps avec votre fer, tout simplement. Okay, moi j'essaie de faire des vidéos pas trop longues, là, mais des fois, voyez-vous, là, c'est un peu trop mouillé. Mais je vais y arriver. Dans le fond, pendant qu'on fait ça, c'est supposé être notre loisir pour se détendre. Donc, on devrait prendre le temps. Ça, c'est vraiment trop mouillé ici. Donc, ça s'en vient. Je vous recommande pas de le coller mouillé, là. C'est vraiment moi qui voulais... Dans le fond, je perds du temps parce que j'ai voulu en sauver la beauté de la chose. Donc ici, on y va doucement parce qu'on est consciente que ça peut être vraiment plus croche. Mais moi, tantôt, ce que j'ai fait, j'ai triché un peu. J'ai été recouper ma base de cartes. Donc, la leçon dans tout ça, je voulais vous faire sauver du temps en faisant de grandes bandes. Eh bien, prenez votre grande bande et coupez-la d'avance. Donc, regardez si c'est beau. Et moi, j'aurais tellement le goût de la laisser juste comme ça, parce que vous me connaissez, j'aime ça quand c'est très simple. Donc, on se fait notre bande pour l'intérieur de notre carte. C'est vraiment mouillé. Donc, voyez-vous, quand je la pose, ça a l'air un peu croche. Je vais twister un petit peu ici, je vais aller corriger ça. Donc, ça peut aller quasiment mieux avec un exacto. On perfore notre vœu étampé. On peut le mettre ici. On pourrait également dire, je vais faire changement, puis je vais le mettre là. Ou bien, à votre goût, vous pouvez dire, je vais juste venir en coller en diagonale dans le coin, mettre mon vœu en haut. Voyez-vous, les possibilités sont vraiment infinies. Ensuite, vous avez le choix d'utiliser la ficelle à rôtir ou bien la cordelette qui est un petit peu plus épaisse ici pour venir garnir tout simplement. Et voyez-vous, j'en ai deux qui sont... presque pareil, mais quand même, chaque projet que vous allez faire avec cette technique-là va être unique. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, soutenez-moi en partageant sur les médias sociaux à vos amis et en me laissant un petit commentaire. Bonne journée!